Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Fortnite pour un nouveau tuto d'une arène build fight. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette petite décoration plutôt sympa. Je vous montrerai vraiment tous ces détails en tuto juste après les gars. Donc mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça ferait juste super plaisir. Et merci à ceux qui me soutiennent depuis mes débuts, hein, depuis maintenant plus ou moins 3 mois sur YouTube. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça ferait juste super plaisir. Et on va se retrouver assez vite pour le tuto, les gars. Mais avant ça, j'ai deux petites choses à ajouter par rapport au tuto que j'ai oublié de vous mentionner. C'est que ici, nous avons rajouté des cubes sur le côté. Donc, que vous agrandirez au maximum, que vous ferez rentrer un petit peu dans le sol pour combler un petit peu l'espace qui était vide par ici, bien que vous n'irez pas normalement. Donc, vous en avez mis aux quatre coins, les gars. Et j'ai rajouté un petit cube ici à l'intérieur des boules. Donc, vous verrez, vous aurez juste à rajouter un cube dans ces deux bouboules-là. Et ce sera bon. Après le reste, je vous ai tout raconté. Donc les gars, le tuto normalement ne durera pas très longtemps. Donc j'espère qu'il vous plaira. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on y va tout de suite pour le tuto. Alors les gars, pour commencer ce tuto, vous allez avoir besoin ici dans la galerie. Vous allez devoir descendre et prendre des galeries de structures noires. Et la galerie de structures noires, mais réfléchissante les gars. Après, vous allez avoir besoin de lumière. Donc vous allez prendre... Attendez, hein. On va prendre ce plus haut, je pense, normalement. Hop, 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 hop. Non, je pense que c'était plus bas. Donc, on va redescendre. Hop, voilà. Vous allez avoir besoin de ceci. Vous allez pouvoir prendre... Je pense que c'est tout pour le moment. Vous allez prendre ces trois packs-là, les gars. Et vous allez les mettre ici sur le côté. De toute façon, c'est en dehors de l'arène, donc c'est pas très grave. Hop. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin de ces trois éléments-ci en priorité. Alors, maintenant, ici, on va se retrouver au milieu donc, de l'arène. Et on va prendre au niveau de The Block. Et ici, vous allez voir qu'au milieu, c'est trois. Donc, vous allez venir ici et vous allez poser un mur ici au milieu de l'affiche. Donc vous voyez, il y a trois blocs qui séparent par ici. Donc 1, 2, 3. 3 blocs par là. 1, 2, 3. Donc on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va délimiter le milieu. Donc les gars, maintenant, vous allez venir ici. Hop. Et on va aller jusqu'à l'autre côté. Ici, vous remettez un mur. Voilà. Et ici, au milieu, vous vous retrouvez ici sur la tâche grise, au milieu du bloc. Normalement, vous avez 11. 11 carrés et vous allez prendre 5 donc du coup à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et le sixième ici, vous le laissez, mais ce sera le milieu de l'autre côté. Donc ce que vous allez faire pareil, vous allez revenir jusque là-bas. Vous mettez un mur. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va avoir besoin donc ici de parois réfléchissantes, donc les carrés qui se trouvent ici là, hop, et on va aller jusque là, hop, allez, dépêche-toi, 1, 1, 2, 3 en plus, vous n'avez que de 3 en plus du milieu, donc vous faites celui du milieu plus 3 blocs, donc ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, comme ceci. Après, vous laissez... bah non, en fait, vous pouvez aller jusqu'au bout, les gars. Donc, j'ai dit de la merde. Donc, vous allez jusqu'au bout. Hop, 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 hop. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est même préférable que vous allez jusqu'au bout directement. Hop. Voilà. Donc, je fais vite fait les autres côtés. Donc maintenant, une fois que vous obtenez ce résultat-ci, vous allez avoir besoin ici, dans les parois réfléchissantes, les gars, vous allez prendre le mur qui se trouve juste ici. Voilà. Et on va venir faire un carré au milieu. Hop. Comme ceci. Vous allez maintenant aller chercher les escaliers. Donc vous allez avoir besoin d'escaliers comme ceci. Hop. On va venir placer, bah, du coup, oh, bon, bah, hop, comme ceci et comme ceci. Voyez, ici vous reprenez une paroi de parterre et vous la mettez au-dessus et vous obtenez ce résultat-ci pour le moment.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va vous allez ici maintenant tout le sol le remplir entièrement. Donc vous allez remplir jusqu'ici à la limite, hein, les gars. Donc ici, voilà, hop, vous arrêtez vraiment au trait noir qui se trouvera ici. Et on se retrouve juste après. Voilà, alors une fois que vous avez rempli tout le sol, vous obtenez ce résultat-ci normalement. Alors maintenant, vous allez avoir besoin ici dans les appareils. Donc du coup, vous allez aller tout en bas et vous allez prendre les barrières. Donc hop, vous allez les placer sur les carrés qu'on avait mis là, hein, donc sur les murs qu'on avait mis au début. Voilà, ce qui va placer une barrière juste après. Donc hop, on va placer les quatre. Voilà, maintenant, une fois que vos quatre barrières sont placées, on va les modifier. Donc ici, vous allez mettre en noir. Donc là, ici, vous faites non, vous laissez comme ça. Partie uniquement, vous mettez sur oui, donc en activation. Ici, vous allez mettre 30. Hop. Ici, vous mettez 100. Donc on va aller vers la gauche plutôt, ça ira plus vite. Comme ceci, et vous acceptez. Donc vous voyez, ça fait une barrière. Normalement, quand vous serez en jeu, vous ne pourrez plus la traverser. Donc ça délimitera le terrain. Et vous faites pareil sur les 4. Et on se retrouve à juste après. Hein. Alors les gars, maintenant, une fois que vous aurez placé vos barrières, vous obtenez ce résultat-ci avec ceci au milieu. Donc vous voyez que ça monte jusqu'à une hauteur assez haute quand même. Donc ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher les anneaux lumineux, les gars. Et vous allez avoir besoin du mauve ici. Et on va prendre, hop, voilà. Comme ceci. Et on va venir le placer ici au milieu. Donc vous voyez, vous allez faire en sorte qu'il puisse passer le terrain. Et on va essayer de le mettre au milieu des escaliers. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on est plus ou moins bon. Et on va le redimensionner, les gars, en tout. Et vous allez l'agrandir au maximum. Une fois que vous êtes au maximum, vous réduisez de 2 crans, les gars. 1, 2. Et vous placez. Après, vous laisserez, vous bougez surtout pas. Après, vous tournez les constructions et vous les placez en continu. Vous voyez, une fois vous tournez, hop, vous placez, vous tournez, vous placez, jusqu'à temps que vous ayez fait un tour complet. Donc normalement, vous voyez, vous obtenez maintenant ce résultat-ci. Donc on va monter un petit peu. Vous voyez que tout passe comme il faut. Donc on va avoir besoin de notre escalier, les gars. Donc voilà, ici, vous allez vous mettre à partir du bloc. Donc hop, 1, 2, 3. Et 4, au quatrième, vous placez un escalier. Pareil de l'autre côté, les gars. 1, 2, 3, 4, vous placez. Et maintenant, on va avoir besoin, donc, ici. Ah bah si, il y en a là. Donc, les plaques comme ceci que vous avez déjà placées derrière. Voilà, ici et ici. Et maintenant, on va retourner chercher. Normalement, c'est par là. Voilà, donc dans les panneaux réfléchissants ici, vous avez un petit triangle comme ceci, vous le prenez, hop. Et on va venir le placer donc ici, hop, comme ceci, et pareil de ce côté-ci, hop. Voilà. Maintenant, vous obtenez ce résultat-ci. Maintenant, vous allez prendre donc hop ici les rebondisseurs, les gars. Hop, vous allez vous équiper avec, et vous allez en placer un ici, ici et ici. Donc, vous voyez, normalement, une fois qu'on sera dessus. Je pense qu'il y aurait moyen que on puisse aller. Voilà. On peut quasiment faire le tour dessus, vous voyez, c'est plus ou moins bien placé. Donc maintenant, ce qu'on va avoir besoin, donc je vais pas dire de conneries. On va mettre maintenant l'endroit où on va apparaître. Donc vous allez prendre ici les piliers jaunes. Donc les genres de petites poutrelles, les gars. Voyez? Hop, vous les prenez. Et ici au milieu, donc. Normalement, on spawn ici, donc on va faire ceci. Donc je vais la placer pour la reprendre comme il faut. Voilà. Et ici, on va la placer au bord de ça. Et vous la faites rentrer un petit peu pour dire qu'on ne voit pas bah, justement le petit trait du bas. Vous voyez, hop. Et après, on le replace comme ceci. Et vous allez jusqu'ici, plus ou moins au bord, les gars. Donc. Et voilà. Vous vous arrêtez plus ou moins quand vous arrivez près de l'anneau qui est ici, les gars. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, vous faites pareil de ce côté-ci aussi, les gars. Ah shit. Donc ici, par contre, à une exception près, vous allez continuer à prolonger, les gars. Comme ceci. Jusque-là, voilà.
Ensuite, vous allez faire pareil ici, vous allez reprendre au bord. Donc, hop. Je pense que ce sera comme ça pour ici, voilà. Et ici, vous allez prolonger jusqu'au bout aussi. Hop. Vous vous arrêtez toujours tout près de là, les gars. Donc, quand vous arrivez près de ce petit néon-là, vous vous arrêtez. Et vous reproduisez ce qu'on a fait ici, bas, de tous les côtés, les gars. Donc ici pareil, hein, donc vous fermerez ici, vous continuez par là, vous allez par là aussi et on se retrouve juste après. Voilà les gars, alors une fois que vous avez fait ce que je vous avais dit, vous obtenez maintenant ce petit résultat-ci. Bien sûr, je n'avais pas dit, mais ici au bout, vous fermez, hein, les gars, donc avec un petit néon aussi de chaque côté. Et maintenant, on va aller chercher, donc c'est pas ici de ce côté-ci. C'est par là, voilà. On va ici venir chercher des éléments de déco. Donc ici, on va prendre bah, la grille jaune ici. Déjà en premier lieu, les gars. Et on va venir la placer, donc déjà ici. Vous verrez, vous essayez de la placer contre. Hop, on la remonte. Voilà, parfait. Vous en placez une ici. Ici aussi. Donc vous voyez, des fois ça se met pas exactement contre les gars. Bon, petit défaut, mais voilà. Hop. On remonte de 1. Ici, j'ai pas assez remonté, vous voyez. Donc faites attention hein, quand vous le placez, de toujours bien le mettre à bonne hauteur. Hop. Parfait. Donc maintenant vous obtenez ce résultat-ci et on va faire pareil ici. Donc hop. Sur ces petits trucs là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous obtenez maintenant à ce résultat-ci plutôt déjà sympa. Donc les gars, maintenant ce qu'on va venir chercher ici, donc hop, où es-tu? Tu es là. On va prendre ici des petites barres, les gars, mais cette fois-ci des barres normales. Non, bah, on va reprendre celle-ci, donc on va reprendre ceci. Et on va juste la faire tourner un petit peu, voilà, comme ceci, vous voyez. On va l'incliner un petit peu. Hop, on va aller ici. Donc à celui-ci en premier, du coup. Vous allez l'incliner de 2 et on va venir ici la placer à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez, comme ça cache l'effet bois. Donc hop, ici pareil. Voilà, comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant vous obtenez ce résultat-ci, les gars. Pour le moment, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme tout doucement. Et maintenant, ce que qu'on va rajouter ici, vous allez pouvoir rajouter vos coffres. Donc maintenant, vous mettez bien sûr vos constructions dedans, vos armes que vous voulez utiliser, vous le placez le coffre juste ici. Et vous placez bah justement un endroit pour réapparaître ici, comme ça, vous foncez et vous pouvez directement vous attaquer. Bon, maintenant ce qu'on va ajouter ici, c'est, on va retourner là-bas, on va ajouter quelques éléments de déco quand même. Voilà, ici, et vous allez reprendre les petits trucs mauves ici que vous voyez, donc le petit néon mauve, le gros néon mauve, pardon, et vous allez le redimensionner en tout et vous allez le réduire au minimum. Voilà, vous allez le placer pour le reprendre, donc hop, et on va aller ici dans l'arène. Vous voyez, hop, on peut plus le descendre. On va le placer. Attendez, je vais le rapprocher pour être sûr. On va placer un ici comme ceci en hauteur. Hop. Voilà. Vous bougez pas. Hein. Donc, et on va le tourner comme ceci. Hop, vous le tournez et vous placez à chaque fois. Voilà. Normalement, vous obtenez une petite boule comme ceci. Ici, vous reprenez encore ce disque. Vous allez en mettre un de l'autre côté. Vous placez, hop. Et vous tournez à chaque fois. Essayez de varier un petit peu les hauteurs et tout pour donner un petit côté sympathique. Hein. Vous voyez ici, ici. Et on va en placer une ici, là, derrière les néons. Hop.
Donc, ici. Hop. Donc, vous voyez. Comme ceci. Et on va en placer une autre ici, de ce côté-ci aussi. Pour pas qu'il y ait de jaloux. Bon, du coup, vous placez. Hop. Ici, hop. Et on y va. Voilà. Et vous obtenez maintenant des petites boules comme ceci. C'est plutôt sympathique. Donc les gars, maintenant vous allez retourner chercher des autres néons. Donc attendez, j'espère que je suis sorti du bon côté. Non. Par là. Hop. Et vous prenez des néons bleus ici. Donc hop, celui-ci. Que vous redimensionnez bien sûr au minimum. Pour le moment, les gars. Donc vous allez devoir le reprendre. Quand vous êtes au minimum, vous allez l'agrandir de 1, 2. Et vous arrêtez de redimensionner. Voilà. Vous laissez comme ceci. Donc maintenant, on va regarder dans quel sens il va tourner. Voilà, hop. Nous, on veut qu'il tourne comme ça. Hop, voilà. Vous allez le tourner de 2 et vous allez le garder comme ceci pour l'instant et le reprendre en main pour mieux le placer. Alors ensuite, on va se retrouver aux petites boules et vous allez devoir essayer de viser ici, les gars. Le premier, vraiment en plein milieu. Donc, jusqu'à temps que vous réussissez. Donc ici, vous voyez qu'en bas, on doit le rapprocher comme ceci. On va regarder. On est plus ou moins bon, les gars. Donc une fois qu'on est plus ou moins bon, on va pas chercher la perfection non plus, les gars, parce que ça va prendre trop de temps. Et on va juste, voilà, je vais l'éloigner un petit peu et le replacer. Donc si j'arrive dessus, voilà. Voilà. Et on va le tourner. Hop. Et vous en placez 2, 3 comme ceci, voilà. Qu'on voit. Ah bah, de toute façon, on va devoir tous les repositionner, les gars. J'avais oublié ce détail-là. Et on va essayer de les mettre au milieu, du coup. Hein. Hop. On est plus ou moins à la bonne hauteur. On le reprend, on décale. Voyez, celui-là est bon. Hop. On va faire pareil avec celui-ci. On va le mettre plus ou moins à la bonne hauteur. Hop. Bah, vous voyez, c'est placé directement. Plus ou moins comme il faut les gars, et on va faire plus ou moins un design comme ça sur les deux boules qui sont dans le cercle, donc dans le premier cercle là les gars. Hop et hop, donc ici je vais le positionner comme ceci. Bon, techniquement j'ai bien fait, je vais juste le sélectionner. Hop hop. Maintenant, on obtient ce résultat-ci une fois que nous avons fait nos petits éléments de déco, les gars. Donc, c'est déjà plutôt sympa. C'est déjà un peu mieux. Voilà, maintenant, vous allez prendre ce pack-ci, les gars, que vous allez mettre ici. Voilà, hop, vous placez. Et vous allez prendre la balise mauve ici. Hop. Qu'on va venir placer ici au milieu, les gars. Vous essayez de viser au milieu. Donc, vous voyez, ça nous aide un peu qui a le piège. Et vous la placez, voilà, à l'intérieur comme ceci. Donc vous voyez, ça donne un effet plutôt sympathique tout ça. Alors les gars, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc n'hésitez pas. Non. Voilà, alors les gars, maintenant vous obtenez cet effet-là. Donc n'hésitez pas maintenant à placer vos dalles de réapparition de ce côté-ci, les gars, ici et là-bas. Vous mettez votre coffre ici avec les matériaux que vous voulez utiliser, donc vos armes, vos constructions, et puis vous pouvez aller vous battre tranquillement. Alors les gars, n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si ça vous a plu, et on se retrouve pour un prochain tuto.